La sieste du tigre. Tous les après-midi, un vieux tigre bougon fait la sieste dans sa caverne fraîche et tranquille. Depuis quelques jours, ses siestes sont tout le temps interrompues. D'habitude, personne n'ose approcher de la caverne du tigre, mais ce n'est pas le cas des nouveaux venus. C'est que les nouveaux voisins souriceaux aimeraient tellement jouer avec le vieux tigre. Ils adorent son pelage soyeux et son cuir élastique pour amortir leur saut périlleux. C'est fantastique. Ils s'amusent même du rugissement du vieux tigre qui veut les chasser de la caverne. Ils adorent les frissons, comme c'est bon. Pour leur faire peur, le tigre finit toujours par les poursuivre. Mais les souriceaux adorent ce jeu de cache-cache à 100 à l'heure. Comme le tigre n'est plus tout jeune, il fatigue plus vite que les souriceaux et finit toujours par les laisser filer. Un jour, il est vraiment en colère et il les poursuit plus loin de sa caverne. Soudain, il est happé dans un filet. Cette fois, le tigre est allé trop loin. Il est entré en territoire de chasse humain. Un piège, mais quelle malchance! Le grand tigre est emprisonné, impossible de bouger. Même sa gueule est coincée dans les mailles. Malgré ses grandes dents, il est impuissant. Les souriceaux sont toujours là. Ils le regardent d'en bas. À l'aide! Ne partez pas! S'écrie le tigre. Faites quelque chose pour moi! Sans réfléchir, les souriceaux acrobates grimpent au secours de leur voisin bougon qui n'a jamais été si heureux de les voir revenir. Avec leurs petites quenottes, les souriceaux rongent les cordes, même les plus fortes. Le filet se déchire et le tigre tombe de haut, suivi des souris qui adorent la chute libre. Les félins retombent toujours sur leurs pattes et les souriceaux rebondissent en riant sur le dos soyeux du tigre. Quel grand frisson! Voilà une aventure qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Même le tigre ne s'était jamais autant amusé. Depuis ce jour, le tigre prend toujours le temps de jouer avec ses amis souriceaux avant la sieste. Et on ne l'a plus jamais vu bougon. Ouf! Ah, j'ai eu peur pour eux! Mais tout finit bien entre voisins. Tu vois, pour se faire des amis, il faut parfois faire un effort et sortir de sa zone de confort. Comme le vieux tigre, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de rejeter un voisin ou un inconnu que tu as ensuite appris à connaître ? Il est peut-être même devenu un ami !